Ouais, pour l'instant, maintenant, Rockstar, ils sont en mode genre, bon, une fois on peut sortir GTA 5. Go cry to the teacher. Tell them I was nasty to you. Shut up, Gary. You're such a jerk, man. Oh, am I, Petey? Oh, you're so cutting. I'm really upset. Actually, I think I'm gonna go cry. Then I'd be just like you. Cry, little girl. Oh, look out. Here comes Jimmy. Just knock it off, Gary. You're out of line. Oh, I'm sorry. I didn't realize I was hanging out in the girls' dorm. Silly me. Shut up, man. You're boring. Boring? I'm boring. You're none too interesting yourself, friend. Bon, j'imagine qu'on lui pète la gueule à la fin du jeu. Look, I'm sorry, both of you. I apologize, okay? I just get a little overexcited. Forgive me. Forget it. It's cool. Anyway, I've got a good idea for some fun. Pourquoi t'écouterais, bordel? Let's go out and torment someone really helpless and unfortunate. That homeless guy. Come on. You coming, little Petey? Come on, I'm sorry. I'll give you a kiss if that's what you want. Shut up. Then come on. Non, non, j'y avais jamais joué. This is gonna be fun. En fait, c'est simple. J'ai beaucoup joué sur GameCube puis sur Xbox. À cette époque-là, à la sortie de ce jeu-là, moi, j'étais sur Half-Life 2, Far Cry, Unreal 2004. J'étais très excité par la sortie de la 360, mais j'ai jamais été un grand fan des jeux Rockstar. Donc effectivement, ouais, si vous avez gardé votre PS2 longtemps, je comprends que Warrior, Bully, San Andreas et tout, c'est vos trucs. Mais ouais, moi j'étais vraiment plus calé, plus excité par le PC, par le machin et tout. Puis arrivé en 2005, cette version, je crois qu'elle est sortie en 2004 ou elle a dû sortir en 2005 vu qu'elle est sur Xbox, ou en 2006. Et début 2006, j'étais déjà sur Oblivion, quoi. J'en pouvais. Harassing some old homeless guy is fun? It is! And you should be grateful you're not the victim for once. I guess. Hey, Jimmy! Oui, après, tell me about... Doom 3, la donne de Doom 3, c'est beaucoup à ça que je jouais. C'est un donne de Doom 3, Far Cry, Half-Life 2. Pas mal de... Fear aussi. N'oublions pas Fear, mais je jouais plus à des FPS, quoi. Octobre 2006, Bully. Non mais attendez, en octobre 2006, vous êtes des oufs ou quoi? Genre, je jouais à Dead Rising. Et puis, la Wii allait sortir. J'allais pas racheter un jeu PS2, quoi. Alors que la Wii est une GameCube. Mais bon, bref, ça reste un autre truc. This guy. Does he like to go in his own pants? Après, tu vois, genre le jeu, il a l'air de se laisser jouer, hein, mais effectivement, c'est un peu les faux open world, quoi. C'est genre, il y a tout le truc. Alors, dans Harry Potter, ça me dérange. Là, bon, la magie des Harry. Et au moins, je peux y jouer de façon confortable, là, sur en version 3.6 sur Series X, et je vais payer 2 balles. Pour un jeu que j'ai jamais eu. Wow. Quand tu vois un mec se taper sur 4 mecs d'affilée, puis ça va le faire. Pourquoi je tape mon pote? C'est gratuit. Je comprends qu'on puisse kiffer l'ambiance, mais...
Alors quand même, genre, vas-y, va par-ci, va par-là, et fais tel mini-jeu, tel mini-jeu. And you're a loser, Petey. One of life's unfortunates. Get out of here, you little scum! Ce gamin, il me rappelle l'un des gamins dans Cobra Kai, là, celui qui fait le malin, qui se prend pour intellectuel. Un peu de acting. Just get out of here, kid. Why should I? Because otherwise I'll kill you. What's your problem? That's a long story. You got any liquor? No, I'm 15. Well, what about drugs? No. Then why shouldn't I kill you? All right then, tough guy, kill me. You know what, kid? I like your style. You got guts. When I was on that ridge in Korea, watching my buddies get killed by friendly fire, I could have used somebody like you. Yeah? Thanks. But I bet you can't fight. You do me a favor, and I'll show you some real moves. Classified moves. Non, c'est Shenmue version... cool. Just get me a part for my radio, and I'll show you what the army version white trash. What, like how to get shot by your own side? Exactly. Pour le clodo, quoi. C'est vraiment, c'est ma voix, quoi. C'est le Nindo. Ah merde, ils sont tous dans la même team. Oh, putain. Mais non, mais le transistor il est là. Il est où le transistor, putain? Le centre médical le plus proche. Un coup de main. Et tu finis juste à l'infirmerie, ok. Quoi, faut tout refaire là le truc. Non. Mais j'aurais pu juste aller dormir en fait. Go on, Petey. Go cry to the teacher. Enfin, c'est insupportable. La technique des bombes puantes peut fonctionner pour une fuite. Ouais, bien sûr, this mais c'est qu'en fait, fun. Besoin de retourner dans le truc, quoi. It is. And you should be grateful you're not the victim for once. I guess. Hey, Jimmy, tell me about this guy. Does he like to go in his own pants? Je rappelle, hein, là, je l'ai pris vraiment sur un coup de tête juste avant de streamer parce qu'il était à 2 ou 3 balles sur le store Xbox. Donc, On se fait jumper, genre, m'en bats les couilles. Il faudra peut-être du coup que je me laisse bizuter en sortant. Passant dans ce territoire là. Vaut mieux pas les. En fait, tu peux vraiment esquiver. J'imagine que le speedrun est vraiment pas du tout intéressant. Non, pas besoin de mâcher le bouton. Reste appuyé. Tout va bien. Pourquoi il me le met là? J'ai zappé un truc ou quoi?
Oui, d'accord, ok. Well, all right. Vas-y, excite-toi. C'est un harangue. Pas sale. Perfect. Gave de poubelle, ça fait pas de mal. Ça, ça m'intéresse beaucoup plus que Manhunt, auquel je n'ai jamais joué non plus. Bah, c'était I2, enfin, faut dire ce qui est. Les jeux de fin de vie de la PS2, soit ils étaient magnifiques, soit ils puaient la merde. Hein. Entre God of War 2 et Manhunt 2, fallait vraiment être motivé. Hein. Thanks, kid. You're one of the good ones. Les noirs, j'ai pas réussi à rentrer dedans. Ça m'a rendu ouf. Ça, c'est le squelette. Plus tard, ça devient le squelette dans Hades. Est-ce qu'il fait une bombe ? Ah ouais, donc dès que je trouve un transistor. Je vous prends tous, hein. Attends, je voulais tester l'uppercut. Ah oui, tu peux les trash talk, ok. Oh, you gonna cry? Come on, stop play acting. How's it look? Petite esquive avec ses crues dans Virtua Fighter. Let's go. You should not have scars. Veuillez avant 2h du matin, vous écroulerez sur place. Merde. Foncer en plus. Mais est-ce que c'est grave si je trouve que Poudlard dans Harry Potter 2 a l'air de mieux fonctionner que ce lycée là quoi, en termes de game building quoi. Hello. Là, je commence vraiment à devenir mort. Hein. Mais t'y crois plus à la. Franchement, la ronde. Les préfets sont plus dangereux. La ronde des préfets dans les vrais endroits qui craignent est plus cohérente. Le cycle jour-nuit aussi. Il y a une vraie cour où tu peux t'entraîner. Il y a des gens que tu peux défier. Il y a des mini-jeux qui sont plus variés et tout, quoi. C'est surtout l'intro du jeu, le lycée. J'ai été sûr. Tu peux vraiment faire le taré, quoi. Tac.
Ah ben voilà. Là on a un RP. Oui, j'ai déjà joué à Kingdom Come. Pourquoi tu vas pas juste taper dedans? C'est le petit cuisseau là. Du matin va bientôt commencer. Et donc là en fait t'as le choix entre soit aller en cours, soit aller faire ta quête. Peut-être choisir, peut-être. Ah, c'est ça le respect, c'est que tu peux sortir en slip. Les mecs te respectent. Ah oui d'accord, non, les pions peuvent se chercher des noises. Hello ladies and gentlemen, I'm Miss Phillips and it is my pleasure to induct you into the world of arts. Concours de dessin, dessiner des carrés avec les pinceaux pour dévoiler l'image cachée, dévoiler les toiles le plus vite possible sans croiser les ennemis. Ok d'accord, c'est un vieux jeu qui porte plusieurs noms, il existe une version érotique au Japon où tu dois découper des petits bouts. Putain, j'ai pas le jeu d'arcade originel. Ça porte un nom, ce genre de jeu. Kix. Et Kix le premier ? Et du coup, il y en a des coquinous en arcade au Japon. What are you doing? Wanna hang out? Hi there. I got them just for you. Ah bon, j'ai ça moi. You might like these. Oh, Jimmy, pourquoi je voudrais so embrasser nice Mimi Géniard? Je l'aimais bien moi, you're mon gros camtar là. You know that. Le mec en slibard. You're so bad. That's how you do it. And that's that. Comment cacher mon érection désormais? Problème qu'on a tous les jours. Why are you wearing those? Ah, tu vois, il te parle quand même, genre, pourquoi tu portes ça? Tu vois, il se fout de ta gueule, hein. Alors mon gars, à la fin de la journée, le slibar, il y a un visage, hein, c'est un test de Rorschach. Là, c'est le double respect. Tu te ramènes en slip au lycée avec un barreau de ouf. Ew. Oh, so you're the new kid, huh? Everyone is talking about you. Oh, are they? And what are they saying? Nothing. Salut, John. Just that you're friends with that sociopath Gary. Merci, BNB Leto. Sociopath. It means. Never mind. Forget I said anything. I need you to help me. Wait. You need me to help you? I've got some library en BF, books il serait doublé par. Mince, Cartman, merde, Christophe Lemoyne. I need your help. Pretend we're friends. Walk with me. I'll pay. Comme sur les pieds, copain, okay? I'll pay you $2. $2? Are you crazy? Make it $5. No, $2. Great, $5. Let's go, buddy. Mec, tellement la merde qu'il doit faire semblant d'être pote avec le mec qui se balade en slibard et en basket.
Hey, Jimmy, did you ever play Grottos and Gremlins? It's really cute. C'est un rang. You can, like, totally be a cool hero who kicks ass and stuff. You really have to be. Racontez sa ta journée. Hey, Algernon, I heard you wet your bed again. Putain. Oh, sure you can. 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 Putain de merde. Enjoy visiting your family. Merde, putain, il est en train de finir mon petit gros. Non, lui, faut l'humilier. C'est parce que je suis faible, ça a l'air censuré. Vous êtes déjà tombé sur cette émission dégueu, nulle à chier. Je sais plus comment ça s'appelait. Une vieille émission sur MTV où c'était justement Face Your Bully ou je sais pas quoi. Là, où il y avait un mec super sous stéroïdes qui prenait des. Bon, c'était des acteurs hein, comme toutes ces émissions de télé-réalité américaine de toute façon. Hein, si vous avez déjà vu Jerry Springer Show avec des mecs qui dansent, ouais, c'est cool, c'est pas moi le daron, etc. J'aurais pas besoin de payer. C'est tous des acteurs. Hein, ça n'a jamais existé. C'est vous êtes énervé pour rien, vous avez kiffé pour rien, vous avez partagé des trucs misogynes pour rien. Parce que c'est toujours de toute façon ça le nerf de la guerre. Hein, c'est genre putain, la grosse vache, elle croyait que c'était le noir, le père, alors qu'en fait c'est le rouquin, MDR. Ce sont des acteurs. Vous, c'est voilà. Bref, c'est une digression. C'est peut-être Bully Beatdown, effectivement. Et du coup, il y avait cette émission en mode, genre, t'avais un vieux portrait en mode, genre, ça, c'est Marty, c'est le meat stick du coin, etc. Et en plus, c'était censé être des adultes, des gens qui travaillent, quoi. Et là, genre, ouais, moi, j'adore faire du hockey, manger des barbecues. Et en fait, chaque fois que je croise ce petit gros à la sortie du Walmart, eh bien, je le klaxonne dessus. Et un jour, j'ai même accéléré pour lui faire peur. Et après, tu vois un petit gros qui dit, genre, eh oui, c'est vrai qu'un jour, il essaie de me tuer et tout, mais il se rend pas compte que je vis dans la peur, etc. Et là, t'as un mec avec des putains de gros muscles, genre qui est sous stéroïdes mais de ouf parce que sa vascularité elle est énervée, on dirait un clito le mec. Et là genre t'inquiète mec, je suis derrière toi, vas-y, on va faire face à ce bully et ensuite on va rencontrer le professionnel de MMA qui va lui défoncer la gueule pour toi. Et t'avais un faux combat full chiqué avec des, c'était de la merde en barre. Et en plus c'était MTV, tu vois. Donc, t'en avais à l'infini, t'en avais genre 12 à la suite, et t'avais cette connerie, et c'était toujours le même scénario, et c'est genre, hey, tu vas voir, t'as peur, tu vas voir ce que c'est d'avoir peur et qu'on ne peut pas se reculer, etc. Et puis le mec se prend un KO dans la gueule, et puis du coup, il fait genre, ouais, j'avoue, c'est trop de la merde. Et bien sûr, tout ça a été présenté pour que des gosses se disent, ça, c'est la vérité, c'est comme se dire. Pimp My Ride, les mecs font vraiment la bagnole en un week-end, etc. Ou Jerry Springer, c'est des vrais trucs. Et même finalement, alors MTV Cribs, c'était réel. Mais il y avait toujours un truc en mode genre les gens qui font visiter leur baraque, etc. Et il y avait aussi plein de fakes. Ou même My Sweet 16, il y avait plein de fakes. Ça veut rien dire. Bref. Comme si les émissions de télé-réalité françaises n'étaient pas full. Full scripté, comme La France a un incroyable talent, où 90% des talents sont en fait des professionnels en tournée dans toute l'Europe. Ils ne sont pas français en plus. Et qu'en fait, avant le tournage de l'émission, ils savent déjà qui va avoir un spot plus ou moins long. Regardez la vidéo de Super Flame là-dessus. Genre. Son passage à Incroyable Talent, t'as l'impression que ça a duré 5 secondes et qu'il a fait que des petits bruitages, alors que en fait il a fait plusieurs imitations, il est passé 20 minutes, 30 minutes sur scène et au montage il a l'air d'être évincé dès le début. Et en plus c'est la production qui lui a dit ouais non mais tes imitations c'est cool mais je pense que le jury va plus aimer les bruits d'avion, alors qu'en fait tout est scripté, hein. T'es la marionnette de quelqu'un, hein. En fait il te présélectionne sur YouTube ou ailleurs, ensuite ensuite ils font l'émission telle qu'il est, et donc en fait il n'y a pas de révélation, hein. Même les gamines qui chantent bien en mode genre c'est faux. Faut que je protège les toilettes. Oh putain. Ah, elle va m'en pousser un.
T'es quand même le gosse le plus énervé de la Terre, quoi. Hein. Prends des mecs à 3 contre 1, tu gagnes. Je pisse dessus. Putain, la goutte dans le slip. Alors, team petit doigt sous les bourses pour la gouttelette. Ou team j'ai besoin d'un bout de papier. Ou team je me secoue la nouille et on verra bien. Allez, on court. What happened to your pants? You look good. Hey girly. I like your shirt, Jimmy. Hey, I'm Jimmy. I can't believe I just I'm said your that. Type. I know I'm forgetting hey, your sweet stuff. Cheeks. Sorry, but I have to go study. Putain, je me traballe Jonah Hill là. Here it is. Thanks, Jimmy. Here's the cash. I'll tell my mom that not everyone at Bullworth is mean. Ah mais comme j'ai aidé un mongol, du coup j'ai respect des faillots et j'ai perdu du respect des bullies. Bon. Ah, on peut se cacher dans le truc par contre. Bon allez, allons à ce coup. J'ai cours de sport ou quoi? Petit doigt sous les bourses, what? Bah regardez la vidéo de Dans ton corps. Elle apprend des choses. Et putain, mais ma classe, elle est où? Elle est à l'intérieur finalement. On prend rien. Ah putain, elle est dehors. Oh là là. Et on peut pas sortir par ailleurs? Dès qu'ils ont pu faire deux. Ah mais il te met qu'une entrée, qu'une sortie au lieu de te mettre la sortie la plus proche en fait. Donc le mec va me poursuivre toute ma vie. En cours de sport ou natation. Et je vais en classe putain. La carte du maraudeur. All right, whips, it's time for some wrestling instruction. This will require physical contact between you and your opponent. Don't mais la gueule, t'as la modélisation Rockstar quoi. Magnifique. My tender soul crushed. I'm gonna die of embarrassment. That's right, hurt him. I have so many my esteem fall any lower. That's right, Hopkins, get close and personal. Another crush. You want to fail this class, Hopkins? Oh. My tender soul. Ah non, faut maintenir le troisième, ok. Il raconte sa vie. Je veux vaincre Fatty, quoi. Voilà. Allez. Ouais. And done. Ah, le délire de se battre contre un gorille quoi.
Le mec a une vitesse proportionnelle à sa force. Ou Arthéon. Ah, ça va me fou. Attendez, il y a un mini gueule, un petit game là. Frapper le garçon avec la balle, c'est ce qu'il soit assommé. Magnifique. Mais lui, il vient vraiment de Poudlard. Attends. Attends, mais c'est bizarre, le truc fait une trajectoire trop bizarre. Faut lui mettre dans les couilles direct. Quoi. On peut parier à un max. Il y a un truc à faire dans la piscine. Alors c'est le remaster. En fait, la version 360 du jeu, c'est presque déjà le remaster finalement. C'est la Scholarship Edition, donc c'est la version HD. Hein. Ça me manque un peu d'aller à la piscine. Même pas du tout dehors. Pas jamais en cours, il y a un cours par jour. La meilleure école du monde aux États-Unis. 2008, la version 360. 2008 ? Sérieux ? De toute façon, ça m'aurait fait chier à l'époque d'y jouer. 2006 sur PS2, non mais ouais, c'est ça, genre ça m'aurait fait chier d'y jouer. Il y a que God of War 2 éventuellement après que je suis allé jouer chez mon frère. En PS2, late PS2, on va dire. Non, c'est pas ma meuf ça. Ah non mais si c'est 2008, ouais, non mais bien sûr que je jouais pas à ça. Mais attends, mon gros tas de boue là, elle m'aime encore. You cool? What's a girl gotta do to get something from her man? I hear most disturbing sounds. Oh, elle veut des chocolats encore? C'est bon, hein, tu vas tenir, hein, je te jure. Unfortunately for you, my pig ugly friend, that is exactly what I can do. In fact, I can do anything I like in this place. Anything at all. Sliber. Ciao, Spotty. Give it back. And you should stay out of the girl's dorm, you little perv. I see you undressing with your eyes. Retourne tout mon cul, quoi. Please, will you help me? Do I have to? Yes, it's vital. She's stolen my lab notes. Without them, I'm gonna fail chemistry and I'll never get into med school. Now I won't find the cure for cancer. Basically, the future of the whole world rests on those notes. What's in it for me? Well, if you get them back, I'll kiss you. Ugh, that's okay. Well, okay, but if you don't, I'll tell the whole school you're some kind of sad sicko who spies on girls getting changed in their dorm. Relax. C'est ce que je fais. Ok, c'est bon, on dit pas la vérité non plus. Parce que je me ramène en slip dans le dortoir des filles que j'ai des idées bizarres.
Tu vois, il y a des nanas qui se baladent alors que moi j'ai pas le droit d'être dans le coin là, c'est trop bizarre. Merde, elles ont hurlé. Non, j'ai un pion au cul maintenant. L'autre, elle est à l'autre bout du slip, ok. Et les pions, de toute façon, ils passent pas par-dessus la barrière. En même temps, je faisais déjà ça dans Harry Potter alors qu'on pouvait pas le faire. C'était pas prévu par le jeu. Donc bien sûr que je mets des taquets en passant. Ça, c'est ça qu'il n'y a pas de stamina, quoi. Ah, c'est rigolo, hein. Franchement, c'est au passionne, on pourra continuer à y jouer. Hein. La prise de tête, mais ça se joue un peu tout seul, quoi. Enfin, vraiment. Il pourra pas me toucher tant que je fais ma mission. Merde, putain. Oh. Wow. Pion. Ah merde. Je peux voir la caisse de catch. Hippolo. C'est un rang. Le slip, c'est bon quoi. C'est un rang. Un enfant normal. Il y a un gros bébé, ouais, bien sûr. Ça va, j'ai jusqu'à 2h du mat. Défendre Bucky, mais c'est même pas la même mission. Sorry. Sorry about that. Out. Stop, Gary. Et c'est son mec, c'est pas possible. Ah, swim team. Intellectual stuff. So, tell me, Petey, do you like watching the girls in their swimming costumes? Does that fuel your filthy little fantasies? Gary, just get out of the way. Oh, Marion, show me your breaststroke again. Or wait, do you like the boys on the team? Yeah, right, Gary. Which is it, Petey? I see you guys are getting along as usual. I'm just talking about sleep, turning him into a man or a woman or something. Hey, Jimmy. Hey, Petey. Ah, peace stain. Good to see you. Listen, Jimmy, I need a favor. Bucky went to the auto shop to get some parts for his science projects. He hasn't come back yet. I think he might be in trouble. Please? Why don't you go yourself? I've got homework. Okay, I'm frightened. And I've got a weak bladder. Oh, I think the bullies might have gotten him. Please, I'll pay. I say do it. It's a good chance to show Russell who's in charge around here. Now run along, pea stain, before you mark the carpet. Yes. We've got to take care of Russell and his boys. Est-ce que tu vas venir te taper un petit peu, Végétal? Take care of all the other cliques. Ou casser les couilles juste toute ta vie. I don't want the school. Yeah, well, I do, pal, and I intend to get it. Now go help that dork. And what are you gonna do? I've got planning to do. Knock it off. Bah, t'es son boyfriend. Stop. Sorry. Le ship est très très malaisant pour moi. Bye. Anyway, bye. I'm gonna try. Bye now.
Ah d'accord, ok. Come on, Bucky, fight back. I'm gonna make you and your boyfriend standing up for myself. Ah! Voilà, hop, c'est bon. Voilà. Bim, bam, boum, bam, 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 fini. Bim. Ah oui, ok. Ah, j'ai explosé direct. Putain de chiasse. Yeah, heureusement que la chope a la prio surtout. La batte de baseball, elle devrait faire plus mal, sérieux. C'est assez satisfaisant, hein, alors que c'est même pas un vrai système de combat finalement. T'es invincible, hein. Manuel Ferreira TV, incroyable, 58 mois, mais que j'ai réalisé que c'était il y a 5 ans que j'étais allé la première fois. Ça rend fou ou pas? J'aime bro. Merci KZSZ94. Et en tout cas, attends, je vois les stories de chez toi là, ça a l'air trop bien. Ah, ils ont des et merde. Je vois les stories de la nouvelle baraque, ça a l'air ouf de se balader, ça a l'air. Putain, mais je foire toutes les missions. Et je suis en slibard. Je connais qui a Dark Lineage. On revient à ces fameuses. Par contre, refaire le début d'une mission. À retourner au début de la mission, c'est vraiment de la chiasse quoi. On n'est pas en bagnole, c'est pas marrant. Et on va pas revenir au chat avec le. Au chat Twitch à base de ce que tu connais. Quoi. Oui. C'est fort toute l'émission, ça se passe dans Sleep, c'est Dead Rising. C'est un peu Dead Rising, hein. Qu'est-ce qu'il y a ? Quoi tu sers, Vina ? Quelle vie, quand même ! Devenir insulté sur un... de se prendre deux clics dans la gueule et puis voilà, après il ne sert plus à rien. Ta soirée est terminée. Oh, what are you, a wimp, Bucky? I'm gonna make you and your boyfriend pay for this. Well, okay. Okay, stop. Le mec était méta, il essaie de me bully, ouais. That's what I'm talking about. I love beating you up. I'm gonna catch you! Mais qu'est-ce que tu veux, toi? This'll come in handy. You deserve that. Come on, dude. Chill out. Chill out, s'il te plaît. Hein. T'énerve pas, hein. Qu'est-ce qu'il a besoin de... Il a besoin de quoi là, de son popper ça? Ça c'est ce qu'il se fait choper derrière. J'ai rien compris à ce qui est à la suite de l'action. Là.
putain, faut sauver le... What a square! Get closer! Et la physicalité des persos est assez cool, hein. Allez, putain, tout ça pour ça. Nice to know there's a violent, crazy old man on campus. Thanks, Timmy. That's great. Here, take this. Récupérer le skateboard. There we go. Done. LB et RB pour utiliser ou ranger votre skateboard. Oh mais t'es invincible. Là c'est vrai. Alors, on dirait vraiment une préquelle, c'est l'enfance de Frank West. Aïe. Le stop, non c'était pas. C'est l'enfance de Franco, c'est clair. Pour un big flow avec Théoli. Chaque fois, je me dis. Je vais déclencher l'alarme et aller dormir. Faire ça. C'était vraiment le truc de débile. Hein. Ah, moi j'adore dormir comme ça. Pas de petit dé. Comme dans la vraie vie, on va jamais chier au collège. Tu veux que je fasse la grosse commission? Remettez le paquet du Peter à Béatrice. Mais regarde, je suis bloqué dans le... Je suis bloqué dans le truc. Je peux pas me battre là. Là je suis softlocké par la cinématique du jeu qui voulait m'apprendre comment on fait un truc. Et je fais quoi maintenant? Quoi? Recommencer le jeu depuis le début? Putain, j'ai failli faire une connerie. Je crois que c'est pas le vrai truc, ça. Mais comment on sauvegarde? Et on sauvegarde quand? Y a pas un bouton sauvegarder, là? Ah, par contre, il y avait un zoom. Ça, c'est... Il y a vraiment tout qui s'ouvre après dans le... On sait le jeu depuis le début. Et toi, tu es dans le jeu? Bah ouais, mais... She didn't know what she was doing. That's it. A duel will have, foul villain. How about two black eyes? Yeah, two. Is this fight a slapping contest? Regarde-toi de ton côté. Et comment? Le problème dont je parlais, c'est après la moitié, un bug pareil, j'ai jamais eu. Hey, hey. Hey there. Sup? What's new? Hey, you all right? Et les gâchettes marchent, mais elle lock pas le mec pour activer la quête. C'est parce qu'un mec c'est trigger. Is this fight a slapping contest? Come on, people! Hey there.
Ça aurait dû sauvegarder quand j'ai dormi, mais regarde, en chargé, il me donne un truc qui a 1000 ans, quoi. Mode le 20 janvier à minuit et demi. Il est à 2h du mat. Quand tu te réveilles, il y a une autosave, d'accord. Bon ben, c'est cool. Deux heures dans le cul, une grosse info de chat. Le soft log sur la version Scholarship. Une aventure avortée. Hey Jimmy, let me show you around. Quand tu es sorti de la chambre vers la porte, c'était écrit votre livre de sauvegarde, Benzaï. Oui, mais du coup, en fait, c'est que même si maintenant j'avais réalisé, ah, mais en fait, on n'a jamais vraiment sauvegardé, je ne peux pas sauvegarder parce qu'on était soft-locké de ouf. Je n'allais pas attendre que mon personnage meure de faim. Regardez, j'étais. Pas des time split. I live.